Allez, chapitre suivant, continuons. Soyons fous. Moi, j'ai toujours trouvé ça perturbant de pouvoir bouger la caméra en pleine cinématique. Et cet effet est très bizarre. Ces pulsations de lumière, là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de moi, docteur? Surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai atterri là? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont survivants? Non? On me fait passer un test, c'est ça? Faut que je regarde la lumière? Que j'aille vers la lumière? Non? Oh mon dieu... Ça me rappelle Bloodborne, ça, un peu. Ah mon dieu... Je crois que tu as une grosse tumeur au cerveau. Tellement grosse qu'elle fait la taille de ta tête, maintenant. Ah, non, c'est bon. Tout va bien. C'était juste un mauvais rêve. Découverte de corps. Des corps découverts dans un village en bord de lac. La cause des décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de corps mutilés retrouvés dans le village d'Elkraver. Elkraver. Plusieurs habitants portés disparus. Cool. Non? Qu'est-ce que c'est que ça? Plus 100. J'ai gagné 100 cerveaux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah, ces effets, c'est très perturbant, c'est bizarre. Il y a des cafards. Il y a des millions de cafards, c'est dégueulasse. Qui nous a laissé dans cet hôpital? Bonjour. On est réveillé. Faut croire. Tous les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Mais vous êtes là, vous. Pourquoi il n'y a plus de cafards d'un coup? J'aime pas cette sensation. Ah, je peux foutre des coups de poing maintenant. Voilà, j'ai appris ça entre-temps. J'ai appris à donner des coups de poing pendant que j'étais inconscient. Un hôpital. Ce lieu est important pour vous. Ah bon? Vous êtes toujours le bienvenu ici. On peut mettre de la musique? Genre du bon vieux jazz? Non. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas conserver vos prochains souvenirs. Non mais vous voulez garder ma mémoire? C'est quoi ce délire? De toute façon, j'ai pas le choix. Oh, mais c'est pour sauvegarder, d'accord. Vous voulez vraiment écraser cette sauvegarde? Bah, c'est pas passé grand chose depuis le temps. Je voulais juste savoir quelle difficulté tu joues en survie. Ce qui doit être l'équivalent de normal, je pense. Voilà. Je connais pas le jeu, enfin, j'y ai jamais joué. J'ai vu pas mal de gens y jouer, mais je l'ai jamais fait moi-même. Ça sent le médicament. Évidemment, nous sommes dans un hôpital. Non? Puis ça sent le médicament, c'est bizarre quand même comme phrase. Je sais pas, c'est... ça sent le médicament par ici. Oui? Je sais pas. Médicaments ont des odeurs très différentes. Donc c'est bizarre. Tout va bien. Détendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais plus m'asseoir. Qui... Asseyez-vous donc. Qui êtes-vous, madame? Aidez-moi. Dommage, bon stream à toi. Pourquoi dommage? Je pouvais pas de toute façon, c'était soit en survie, soit en facile. J'avais pas le choix. Hein. C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. What? Le gel vert vous aidera à améliorer chacune de vos aptitudes. Que j'ai pas le choix, je pense. Vous voyez? Voilà, tout va mieux. Qu'est-ce qui se baisse? Est-ce que je deviens dingue? Ah, faut croire, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, vous êtes bizarre, madame, vous êtes en feu. C'est peut-être pour ça que je deviens dingue, non? Je vous attends. What? Ok, donc c'était un rêve aussi, très bien. On a fait un rêve dans un rêve. C'est beau quand même. Je suis où? Ah, on régénère notre vie. Très bien. Kidman, je suis en train de voir ça. Nicole! On a besoin de vous pour faire les prochains films. Conley. Il y a des trucs là, oui. C'est ça le truc vert? Les cerveaux là? Le gel vert? Je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Seringue. On ne connaît pas l'origine du médicament que contient cette seringue de voyage, mais il restaure modérément la santé. D'accord. On va l'utiliser. Ah oui, ça soigne un tout petit peu, quoi. D'accord. Enfin, la moitié, même pas. Un tiers de la vie. C'est cool.
J'apprécie le geste. Bon ben, enfonçons-nous dans cette forêt sombre et humide. Ah. Salut, je peux me joindre au festin? Non? Triangle, attaque au corps à corps. Il y avait R2 aussi, quand j'ai pas d'arme équipée. C'est plus évident. D'accord, je peux taper dans ces cadavres. Mais en fait, mon coup de poing va au-dessus. Enfin, ce cadavre. C'est un cadavre de quoi? C'est une biche? Ah non, c'est une chèvre. Saleté de chèvre. Ça se trouve, il y a plein de trucs que je suis en train de rater en explorant un peu partout, mais pff, tant pis. C'est pas grave. On est des boss, donc on continue. Ok. Non, je crois pas qu'il te veuille du bien, lui. Ah bah bravo, bravo, bravo. Ouais. À moins qu'il soit en train de manger des cacahuètes avec une très grosse faim. Oh. Ça va être le moment de tirer. Alors je sais que ce jeu est très dur parce qu'il est très radin avec les munitions. Conley, c'était le mec qui était censé surveiller la voiture, non? Magnifique. Ah, c'est bien lui. Merde. Si on arrêtait de gaspiller les balles. Bon, il a pas l'air très vivace, hein. Ce coup de pied. Tiens. Je t'achève, moi. Tiens. Oui, tiens. Cette violence. Je pète tout, moi. Je suis un fou. Je suis un gueudin. On a 700 cerveaux. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Et on n'a plus qu'une balle. C'est cool. C'est génial. J'aime le challenge. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Une balle en pleine tête? C'est gratuit, je les offre. De toute façon, je vais être obligé de passer là. 900 cerveaux? Génial. Non, c'est quelqu'un de normal, ça. Il y a un piège devant. Il y a un piège devant. Ça fait mal. Oh là. Ah oui, c'est l'autre, là. Tu voulais me prévenir du piège? Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? L'hôpital. Tu dois retourner à l'hôpital psychiatrique qui s'est démoli devant nous. Bordel. Maintenir, désamorcer les pièges. Ok. Donc c'est déjà un expert voleur qui peut désamorcer tout type de pièges. Très bien. Pièces détachées obtenues. Les pièces détachées sont nécessaires pour fabriquer des carreaux pour l'arbalète agonie. D'accord, juste pour l'arbalète. Juste des carreaux pour cette arbalète. D'accord, très bien. Il y a un sacré tas de corbeaux là. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Utilisez les allumettes rond enflammé. Approchez-vous d'un ennemi au sol et réutilisez une amulette pour l'enflammer et le réduire ensemble. Si les ennemis sont suffisamment proches, vous pouvez tous les brûler avec une seule allumette. Il existe d'autres objets enflammables en dehors des corps et des ennemis. Je sais pas si ça s'enflamme aussi bien encore. Enfin, on va voir déjà comment ça réagit. Allez, 1200 cerveaux. Ok, une allumette. Hein, c'est... pas une de plus. Voilà. C'est tout ce que tu mérites. J'étais obligé de le cramer? Enfin, je sais pas, j'aurais pu économiser peut-être. Non? Oui, tout doucement. What? Oh mon dieu, cette pause! Oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Cette dame est rentrée dans le miroir! C'est incroyable! C'est une sorcière! Journal de Sébastien Castellanos. Novembre 2004. J'ai enfin obtenu mon signe doré, inspecteur Sébastien Castellanos, pardon. Ça sonne bien. Il aura fallu le temps, mais d'après ce que j'ai compris, j'ai été l'un des plus rapides à monter en grade. J'ai hâte de commencer. Je serai beaucoup plus utile au poste d'inspecteur qu'en tant que policier de quartier. En plus, pas besoin de porter leur uniforme ridicule. Et ça paie un peu mieux. La police de Crimson City a besoin de toute l'aide possible. Ces derniers temps, la criminalité a explosé. C'est ma ville et je me dois de la protéger. Très bien, donc il est très dans la loi, quoi. Mon dieu, on a créé un espace entre les dimensions. C'est incroyable.
Et c'était encore un rêve. Non. Encore ici. Je crois que je perds la tête. Mais non, tout va bien. Bonjour. C'est pas une façon d'entrer. Je sais pas, ça fait peur. What? Mais tous les miroirs sont complètement... D'accord. Donc les miroirs sont un moyen de voyager entre ce que je vais appeler notre monde de rêve et le monde réel. Très bien, j'ai compris. Tout va bien, hein. C'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Voilà. Tout le monde sait que dès que tu visites un hôpital psychiatrique, ça fait ça. Alors aptitude, jauge de vie, temps de sprint maximal, attaque au corps à corps, efficacité des seringues. Les armes, multiplicateur de dégâts, cadence de tir, visa... Oh là 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 là, mais je sais pas dans quoi mettre. Je vais prendre dans les munitions. Il y avait autre chose à 500, ouais, mais je vais peut-être économiser un peu. Ce sera plus sage. Je pense. Mais c'est chaud, je savais pas qu'il y avait un côté à moitié RPG comme ça. C'est bizarre. Non, faut que je prenne le miroir. Il faut que je regarde ce miroir. Très bien. Non mais t'as pas besoin de l'ouvrir calmement, c'est bon, y'a rien qu'à changer je pense. Depuis tout à l'heure. Ah merde, y'a des gens. Ils s'enfuient. Est-ce qu'il y a des attaques discrètes? Enfin des attaques furtives je veux dire. Genre j'arrive dans son dos et bim. Oui! Faut faire croire. Tu es instantanément les ennemis qui ne soupçonnent pas votre présence, blablabla. Tu fais un très bon didacticiel, toi. Magnifique. Magnifique. Youyou. On vous a sauvé. Qui que vous soyez, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ah bah c'est l'autre, là. Permet d'enjamber les obstacles et de passer par la fenêtre. Oui, bah ça... Ça va, c'est classique. Comment elle peut aller aussi vite, là, l'autre? Hein? Dis-moi tout. Petite statue étrange. Je crois que la porte me dit d'aller par là. Voilà. Hein, c'est comme ça qu'on rentre, maintenant. Toi, t'as pas l'air très... normal. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et... Vous êtes un paysan, hein, dans le coin? Je peux pas continuer. Nye. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est cette lumière? What? What? C'est quoi ce délire? J'ai plus de balles, hein, je préviens. Oh, what the fuck? Mais c'est immonde. Mais c'est absolument immonde. Est-ce qu'ils m'ont vu? De toute façon j'ai plus qu'une balle donc je vais être obligé soit d'être furtif, soit d'y aller au corps à corps. Et je sais pas ce que vaut le corps à corps justement. Oh, je me le ferai bien par derrière lui quand même. Nanana, tu ne me vois pas, je suis une ombre. Voilà. Parfait. Il y a lui qui revient. Allez, vas-y. Dès que tu te retournes, je fonce sur toi. Et bim! Attaque surprise. C'est que je suis quand même vachement lent quand je suis furtif. Hein. En même temps, c'est normal, mais bon. Ok, il y a un truc à ramasser là, mais on verra après. Parce que là... Voilà. Ouais, je sens qu'on va optimiser au maximum l'attaque furtive. Histoire d'économiser un maximum les balles. Oh, 5 allumettes. Ouais, mais je sais pas s'il faut vraiment brûler les cadavres ou quoi. Enfin, je... On m'a rien dit pour l'instant. Ouais, c'est pour pas qu'ils se transforment peut-être. C'est peut-être ça le truc. Note du village près du lac. Depuis quand ce phare éclaire-t-il le lac? A-t-il toujours été là? J'ai l'impression que ce faisceau circulaire me passe dessus... Me traverse comme s'il emportait quelque chose à chaque fois. Mais impossible de me souvenir quoi. Est-ce que ça sert vraiment de brûler tous les cadavres?
Ou alors, il y a certains cadavres qu'il faut brûler et d'autres non, je sais pas. Ça se trouve, il y a un trophée brûler tous les cadavres. Ouh, le joli piège. Peux-tu le désamorcer, s'il te plaît? Voilà. Magnifique, quel expert. Il a fait ça toute sa vie. C'est beau. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille là? J'ai pas l'impression. Rien qu'à le regarder, je me sens attiré dans sa direction. Je dois aller au phare. Ça me rappelle Shutter Island. C'était pas ça le truc? Il fallait qu'ils aillent sur dans un phare ou quoi? Bref. Point de contrôle. Ah, oh, c'est gentil. Ça veut dire que je vais mourir. Est-ce qu'il me voit pas dans les hautes herbes? Je pense pas que ça marche comme ça. Je pourrais juste continuer en fait. Sans les tuer. Ok, là je pourrais passer mais il y a une fenêtre. Donc on va éviter. Là il y a un autre mec avec sa torche. Je vais essayer de me le faire en premier lui. Go. Je vais pas avoir le temps. Il va se retourner avant. S'il te plaît. Yes! Headshot. Just in time. Je peux prendre sa torche. Je sais pas si c'est une bonne idée. Par contre, ouais, j'ai pas tout vu avec l'autre là qui gardait le chemin, donc... Je suis pas allé en haut, du coup. Je vais aller voir. Puis j'ai pas fouillé cette maison. On va voir ça. Et tu vas. Headshot. Où est-ce que je le brûle? J'en sais rien, moi. Je... Il pourrait pas brûler juste dans ce feu, là? Non? Je sais pas, ça économiserait une allumette. Des allumettes. Ah, je suis plein en allumettes. Très bien. Et une balle. Waouh. C'est très généreux. Ça m'éblouit. Bon, du coup, je vais le brûler, hein. Puis je vais retourner ramasser une autre allumette. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. On m'a rien dit encore. Ah oui, c'est qu'il est juste là, mec. Ah, il y a un piège à loup aussi. J'avais pas vu. Ah, il a brûlé tout seul. Ah. Très bien. Je pense que l'autre, il a dû se brûler avec sa torche. D'ailleurs, en parlant de torche, il y en a un autre, là. Est-ce que tu es tout seul, mon petit? Mon petit... Ah oui, c'est ça. Rapproche-toi. Que je puisse planter mon petit, joli petit couteau dans ta tête. Bordel, j'ai du mal à parler. Voilà. Oh, c'est facile ce jeu. Il suffit d'être furtif. Ah, il a des balles. 4 balles. Trouve tenu, Silent Kill. D'accord. Est-ce que je peux me servir de la torche pour brûler des cadavres? Non? Je sais pas. Je peux peut-être lancer ma torche. Pour créer une autre diversion. J'en sais rien en fait. Bonjour. Ne m'explosez pas. S'il vous plaît. J'allais dire, il a gardé sa torche. Enfin, la torche dans l'inventaire. Genre dans ses poches. Genre de truc très logique. Qu'on voit beaucoup dans les jeux de toute façon. Est-ce que t'es mort toi? J'ai pas confiance. Ah. Maintenant t'es mort. Il y a un autre piège devant. Je le vois bien. J'ai quand même un peu peur parce que pour les pièges faut être bien prêt. Il y a un truc qui brille en bleu. Et du cerveau. Oh merde. Il m'a entendu. Vu. Je sais pas. Ça sent le corps à corps là, non? Non! Aïe! Je peux plus bouger, hein? C'est bon, tout va bien. Non, tu meurs, t'es mort. Voilà. Tout va bien. Et il avait une super arme, lui, par contre. Je peux pas la voir?
Enfin, il avait un genre de faucille ou je sais pas quoi, non? Je suis déçu. Du coup, tout ça pour des cerveaux, quoi. Génial. Merci. Encore des cerveaux. Il y a des balles. Y a-t-il un cadavre? Ouais. Puis maintenant. Ah, je peux me cacher sous le lit? Wouah. Ok. Donc il y a lui et il y a le piège à ours juste devant, je le vois. Est-ce qu'on peut le désamorcer? Oh merde. Oui, on peut. Est-ce qu'il peut se le prendre? Ça serait marrant, ça. Parfait. On va attendre. Et puis il y en a un autre juste à côté. Oh non, mais t'es sérieux? Ah, il y en a un autre plus loin. Je retourne me cacher. J'aurais eu le temps en plus d'avoir. Ça aurait été un peu juste, mais ça l'aurait fait. Hop là. Merde, il va se retourner. Fuck. Non, tu ne m'as pas vu, c'est faux. Je ne suis pas là, j'existe pas. J'aurais pas dû désactiver les pièges. Oh, il a pas aimé la petite patate. Pourquoi il se bat pas avec son couteau? Je sais pas, ça serait plus logique. Un coup. Deux coups. Voilà, on esquive. Un coup. Deux coups. On se... Ah, j'ai pas eu le temps. Tu peux crever? Ça serait bien gentil. Ouh, la tête. La belle tête. Bon, je crois qu'il va pas se relever, hein. Il a plus de tête. Honnêtement. S'il se relève, il y a un problème. Par contre, là, on peut y entrer. Et j'entends quelqu'un. Je sais pas où il est. Ah, il est juste là, en fait. Ah, mais je pourrais la voir, en fait, depuis la fenêtre. Il y a un autre piège là. Putain, je suis passé juste à côté, hein. J'ai eu de la chance. Merde. Non. Me dis pas qu'il m'a vu. Fuck. Salut toi. Non, 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 pas touche. Attends. Je sais pas si on peut les tuer si on fait que des coups de poing. Enfin, des attaques au corps à corps. Voilà, je t'explose la tête. Merci du follow, Martin Sanson. Mais je connais ton pseudo. Tu viens de chez Bestial. une petite picouse. Voilà, ça va mieux. Oh, je suis tellement pas économe. Il y a un autre piège ici. Je sais pas si les ennemis peuvent se prendre les pièges. Techniquement, oui. Mais bon. Salut, salut, Martin Sanson. Mort, toujours pas mort? Je t'ai dit que je le ferais sans mourir. Oh, je suis mort que 3 fois pour l'instant, ça va? Je m'en sors bien? J'ai pas confiance. Brûle. Brûlé. Ah bah j'avais raison. Faut croire. D'accord, donc ça sert à rien de brûler les cadavres que je viens de tuer. C'est vraiment pour ceux qui sont au sol et on n'est pas trop sûr. 4 balles, allez. Et on tourne, on tourne. Ah d'accord, c'est juste appuyer sur X. Je suis déçu. Ah, il faut spammer X, pardon. Très bien. Ouah! 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 Cette manivelle était très lourde. Ah! Ah! Sauvegarde. Ça veut dire qu'on va mourir. Je me cache dans les hautes herbes. Je sais pas si ça change grand chose. Je pense pas. J'entends des bruits bizarres. Ah oui, il y a quelqu'un en train de manger. Ils sont 2. On va peut-être éviter d'y aller comme ça. Ah, c'est qu'ils sont tout pleins. Oh mon dieu. Putain. Ah, tu m'étonnes, ouais. C'est ça. Ne vous occupez pas de moi. Donc il fallait bien que je passe là, quoi. Je suis une ombre. Je vous observe au loin. Dans le silence. Ok, il y en a un tout seul là-bas. Je pense qu'il va falloir que je m'en occupe. T'es tout seul, hein. Rassure-moi. Me fasse pas avoir comme une merde. Ah, c'est qu'on est vraiment proche là. Ok, bon. Tu es mort. Voilà. Oh merde, merde, merde. Oh, non, c'est pas ça que je veux. Ah, YOLO. Merde. Faut pas que je reste ici. Non, sans blague.
Il faut que tu reprennes ton souffle et vite. Oh non, mais c'est pas le moment de t'arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, ils sont gentils, ils s'arrêtent eux aussi. Ok, cinématique, ça va peut-être me sauver et les faire disparaître. Ah non, c'était normal, c'était prévu en fait. D'accord. Wow, 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 wow. Oh, magnifique. Karaté kick. Mais économise tes balles, voyons. Ah, bah il a fait plouf. Et nous aussi, je pense. Voilà. Eh bien, très bien. C'est la fin du chapitre? Yeah! Yeah, yeah, yeah! Nous pouvons sauvegarder, bien entendu.